Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Maïf Social Club. Je m'appelle Marie, je m'occupe de la communication. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, Maïf Social Club, c'est un lieu gratuit, ouvert à toutes et à tous. On aborde deux thématiques annuelles, des grandes thématiques de société. Et sur chaque thématique, on a une exposition, des conférences, des spectacles, des ateliers pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Au rez-de-chaussée, vous avez donc l'exposition Matières à mijoter, que vous pourrez découvrir à l'issue de la conférence si vous le souhaitez. On a un café qui rouvre dans quelques jours, un espace de coworking bibliothèque et une boutique de produits éco-responsables qui existe aussi en ligne sur maïfsocialclub.fr. En ce moment, notre thématique, c'est l'alimentation. Et c'est dans ce cadre qu'on a co-organisé avec Philosophie Magazine la conférence avec Olivier Assouly qui décide de ce que l'on mange. Donc avant de leur donner la parole, je vais vous demander juste deux petites choses, de bien garder votre masque durant la durée de la conférence, d'éteindre vos téléphones et vous rappeler que cette conférence est streamée et en live sur Facebook de Philosophie Magazine et également du Maïf Social Club. Très bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Qui décide de ce que l'on mange ? L'engouement pour la cuisine, pour les émissions de télévision autour de la restauration et de la gastronomie, le souci de la qualité des éléments, les débats autour de la possibilité d'alimenter correctement 10 milliards d'êtres humains, mais aussi l'importance acquise par le choix d'un régime plus soucieux du respect de l'environnement et du traitement des animaux, végétariens, végétaliens. Ces attitudes témoignent manifestement d'un souci nouveau pour la question de la nourriture et du goût dans le monde contemporain. Longtemps minoré ou dévalué par les philosophes en particulier, les philosophes dans la tradition occidentale en tout cas, longtemps minoré au statut ou délaissé au statut d'une fonction subalterne dédiée à l'entretien de la vie, le goût fait l'objet d'une nouvelle attention. Comment se forme notre goût? Comment est-il entretenu et façonné par nos habitudes, notre culture, nos habitudes de consommation? Pourquoi ce goût a-t-il fait l'objet longtemps d'interdits, religieux notamment, mais parfois politiques? Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que choisir ce que je mange devient de plus en plus un acte existentiel et peut-être même politique pour les jeunes générations? Comment penser le sens du goût qui a longtemps fait l'objet non pas tant d'une exclusion, comme nous allons le voir, que d'un usage sans doute détourné, au profit d'une métaphore, le goût pour l'appréciation, le jugement esthétique notamment, ou l'ingestion, métaphorisée en ingestion de la pensée, qui s'approprie le monde, qu'il dévore parfois. Qu'est-ce qui rapproche et distingue l'acte de digérer de l'acte de penser? Comment penser enfin les saveurs? Et que donne-t-elle à penser? Voilà les questions que nous allons aborder au cours de cet entretien avec Olivier Assouly, que je remercie vivement d'avoir participé, d'être venu à nous depuis son Aveyron, où il réside, pour intervenir donc dans le cadre de cette exposition « Matières à mijoter », consacrée à la question de l'alimentation. Vous êtes, Olivier Assouly, quelques mots sur votre travail. Vous êtes professeur de philosophie, attaché à l'Institut, notamment à l'Institut français de la mode, mais aussi à la Sorbonne, dans un centre de recherche sur l'esthétique, je crois. Vous avez consacré vos travaux à la question de l'alimentation et du goût. Vous êtes l'auteur notamment de « Des nourritures divines, essai sur les interdits alimentaires » 2002, « L'organisation criminelle de la faim » Acte Sud 2013 et livre passionnant « Philosophie du goût » sous-titré « Manger, digérer et jouir ». Vous nous expliquerez en particulier ce troisième concept, « Manger, digérer et jouir » paru donc toujours chez Agora Pocket en 2019 et vous m'annonciez que vous allez publier début 2022 un nouvel essai sur cette question intitulée de manière un peu énigmatique « Qui est la viande ?», qui paraîtra chez Agora Pocket début 2022. Alors, je vous propose que, au cours de cet entretien, je vous propose trois moments, ce que j'ai soumis à Olivier Assouly. Un premier moment qui sera consacré à l'actualité de ces enjeux et la manière dont Olivier Assouly, qui travaille là-dessus depuis plus de 20 ans, voit comment son objet de recherche, en quelque sorte, trouve une vitalité dans l'actualité contemporaine. Qu'est-ce qui se passe avec nous et le goût? Pourquoi est-ce que cette question est aujourd'hui vive et forte? Un second moment peut-être sur son itinéraire. Pourquoi est-ce qu'un philosophe s'est intéressé à cette question qui a été longtemps délaissée? Vous me disiez à l'instant qu'il y a quasiment pas... vous êtes sans doute le seul à avoir fait une thèse en France sur la question du goût et de l'alimentation. Et enfin, dans un troisième temps, nous essaierons de comprendre pourquoi le goût, justement, a longtemps été refoulé ou métaphorisé par la philosophie, qui en fait une métaphore du jugement, une métaphore de la pensée, et qui finalement ne dit pas grand-chose sur les saveurs, ou laisse le goût, au sens matériel du terme, à une fonction qui est une fonction biologique qui s'entretiendrait tout seul, qui dépendrait de nos besoins, et qui ne serait pas de l'ordre de l'intelligence ou de la culture. Alors venons-en donc à ce premier temps, autour de l'actualité, la question. Je sais que vous étiez un petit peu réticent à aborder cette question parce que vous ne vouliez pas vous faire le sociologue de nos mœurs contemporaines, vous vouliez parler philosophiquement de la nourriture, mais je crois que c'est quand même important, on est tous quand même de cerner un petit peu, de photographier, de nous dire ce que vous pensez de ce climat contemporain. À quoi tient, selon vous, l'actualité de la question alimentaire? Elle tient bien entendu certainement à la question écologique, à la question éthique, à la question environnementale, à la manière dont le rapport des hommes et des animaux est en train de bouger dans le contemporain. Mais essayons d'être un peu plus précis. Est-ce que vous vous réjouissez, j'imagine tout de même, depuis 20 ans vous travaillez sur l'alimentation, puis ça prend une vigueur, tout un chacun, un chercheur ne peut que se réjouir de cela, mais j'imagine que vous décelez sans doute des points aveugles dans cet intérêt nouveau. Alors peut-être d'abord, voilà, comment est-ce que vous percevez, vous, chercheurs, ce climat contemporain autour de la question alimentaire? Alors, merci, d'abord merci de votre invitation et de votre présence à tous. Alors c'est... Comme on se l'est dit il y a quelques jours, c'est extrêmement compliqué de répondre parce que, ne serait-ce que sous ce terme alimentation, en fin de compte, on recoupe un nombre d'objets assez large, voire considérable, puisqu'on englobe aussi bien, au fond, l'alimentation au sens mécanique, qui est celle d'une machine qui aurait besoin de combustible, l'alimentation fourragère destinée aux animaux, et évidemment celle qui semble nous intéresser davantage aujourd'hui, à savoir l'alimentation humaine, avec ce qu'elle a aussi de mécanique, au sens où effectivement on est tous comme des vivants voués à nous nourrir, mais on sait que l'alimentation sous le rapport de la culture autorise des formes, on va dire, plus ludiques de consommation. Et c'est peut-être de ces formes dont il est question depuis quelques années, puisque on a vu apparaître un certain nombre de médias, ou en tout cas un phénomène d'engouement social, culturel, pour l'objet alimentaire, qui s'est souvent, voilà, qui est assez divers, puisque il a pris parfois la forme d'un spectacle très médiatique, avec ce qu'il avait de très, j'ai envie de dire, de ludique, et en même temps de très axé sur l'esprit de compétition, puisque souvent on met des gens effectivement dans une situation de jeu, mais de jeu avec à la clé une victoire, ce qui laisse souvent penser que, au fond, on aurait pu remplacer l'objet culinaire par un autre objet. Donc on peut se demander si l'objet culinaire en tant que tel est au centre de ces éléments. Après, il me semble néanmoins, si on se passe dans un temps plus long, que sans doute qu'à partir de la fin des années, la fin du XXe siècle, et début du suivant, la question de l'ESB, je ne sais pas si ça parle encore à tout le monde, avait constitué ce qu'on appelait vulgairement la vache folle, avait constitué un choc assez important, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à voir se médiatiser un certain nombre de scandales alimentaires qui vont générer de plus en plus d'abord de relations de défiance, et à partir de là, d'interrogations et de mobilisations, d'attention en tout cas accrue à la question de l'alimentation, souvent d'ailleurs à partir d'un dénigrement, on va dire, du caractère le plus représenté dans l'alimentation, à savoir le caractère industriel. Voilà. Et il est à noter que on conserve au fond ce dualisme entre une alimentation de masse industrielle et puis une alimentation, on devrait changer de vocable, souvent une gastronomie ou des pâtisseries avec cette fois des pratiques qu'on dirait plus artisanales, individuelles, avec non plus des noms de marques, mais des chefs, etc. Donc c'est en tout cas un paysage qui me semble être beaucoup plus large, mais qui témoigne indiscutablement à la fois, je dirais, d'une méfiance croissante et d'un intérêt pour l'objet, avec une, voilà, ce qu'on appellerait en tout cas un souci de tenter de reprendre un peu possession de cet objet. Oui, c'est ça, parce qu'au-delà même des émissions de télévisées, on a vu pendant le confinement, les gens s'échangeaient des recettes, redécouvraient l'art de faire la cuisine, alors dans une situation très contrainte, dans différents confinements, mais est-ce qu'il n'y a pas justement cette tendance à reprendre la main sur ce que j'ingère, avec aussi sans doute une... peut-être, Nietzsche disait que, je crois c'est vous qui citez, que l'alimentation est une véritable question philosophique dès l'instant où il n'y a plus d'arrière-monde, où c'est mon corps qui est le lieu dans cette vie-ci. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, avec la sécularisation aussi, l'idée de reprendre possession sur ce que j'ingère et d'en faire un choix? Autour de nous, on voit les jeunes générations qui font du régime un enjeu politique, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les années 60 ou 70. On allait se soucier éventuellement de la production, du modèle économique, mais pas dans un rapport individuel à « je contrôle ce que j'ingère ». Oui, bien sûr. Après, il y a effectivement, quand je parlais du modèle industriel, alors je ne sais pas si le terme « modèle » est parfaitement adapté, en tout cas, il y a le fait que cette alimentation a été, d'une certaine manière, délégués par des individus à des tiers, chargés au fond d'une certaine forme de planification des régimes alimentaires, notamment à partir d'une approche très quantitative de l'alimentation, qui conduit, voilà, quand vous achetez un produit, à découvrir souvent au dos de l'emballage un certain nombre d'informations d'ordre nutritionnel qui vous indique quantitativement combien de calories joules contiennent les plats, quel type de régime est recommandé selon que vous êtes homme, femme, jeune ou âgé, en activité ou pas, etc. C'est-à-dire, vous voyez, il y aurait une façon de se décharger au fond, de se dédouaner de la question de la prise en charge de son régime. Or, la question du régime, au-delà de la diète au sens médical, est aussi une question qui recoupe là ce qu'il y a de plus subjectif dans l'alimentation, de plus constitutif, à savoir la capacité à veiller à ce qui entre et ce qui sort du corps, d'une certaine manière. Donc de ce point de vue-là, et ce que montre l'allusion à laquelle que vous faisiez à l'instant, à savoir à Nietzsche, c'est effectivement que la question du régime dépasse au fond la question alimentaire. Éthique, à un moment donné. Elle est éthique, oui. C'est ça. Alors, vous-même, petite question personnelle, vous cuisinez beaucoup, peu, vous êtes végétarien, pas végétarien, vous avez un régime très strict, vous êtes ouvert à tout, vous avez des goûts, une curiosité tous azimuts. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre rapport personnel à la question? Ça, c'est aussi une des choses qui nous arrive quand on travaille sur l'alimentation, c'est qu'on nous renvoie souvent à la question de sa propre alimentation. Alors, à la question de savoir pourquoi je travaille sur l'alimentation, j'en sais rien, parce que je crois que c'est un objet de désir, et souvent il nous échappe. En revanche, oui, je suis très soucieux de ces questions, très soucieux de la question du régime, des goûts, etc. Je cuisine un peu, pas tant que ça, parce que je suis très paresseux, mais j'essaye dans la mesure du possible. Et c'est assez aussi, il me semble, intéressant pour nous tous de pas simplement vivre au fond les questions aussi sur lesquelles on travaille. Et de pas être dans une sorte de dualisme entre, au fond, mon champ d'études et de travail, de publication depuis quand même une vingtaine d'années, et puis mes pratiques quotidiennes, même si évidemment il y a toujours des écarts, des distorsions et quelques exceptions, mais oui, c'est une question en tout cas qui me soucie. Et donc des régimes plutôt, j'imagine, pas trop surgelés, pas trop, des circuits plutôt courts et peut-être pas oui, du beefsteak tous les jours. J'ai la chance d'habiter dans une région qui est, où on trouve un certain nombre de choses facilement. Donc voilà, oui, c'est plutôt de cet ordre. Venons-en donc maintenant à pourquoi est-ce que vous s'intéressez à l'alimentation d'un point de vue philosophique. Vos premiers travaux, si je ne m'abuse, étaient consacrés aux interdits alimentaires, religieux ou politiques, qui pesaient, qui avaient longtemps pesé, qui continuent sans doute d'ailleurs de peser sur l'alimentation. Pourquoi, selon vous, et qu'est-ce que, selon vous, pourquoi l'alimentation, ce que nous ingérons, ce que nous cuisinons, est-elle un geste fondamentale qui fait que toute culture doit normer cet acte en un sens et décider de ce qui est interdit, de ce qui est autorisé ou poser des interdits sur cet acte. Oui, parce qu'il se trouve que le champ des aliments ou des objets comestibles est infiniment plus large que celui des aliments que effectivement nous finissons par consommer. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'aliments parfaitement ingérables et qui seraient sans doute très bons pour l'organisme, le corps, qui sont mis au banc des cultures, et en particulier ce phénomène est, je dirais, exagéré dans un certain nombre de religions. Évidemment, dont le judaïsme, et le judaïsme n'est pas la seule des religions à porter son attention à formuler un certain nombre d'interdits. On en trouve beaucoup, notamment dans l'hindouisme ou dans un courant qui s'appelle le jaïnisme. Et je m'étais confronté à cette question ce qui était mon premier ouvrage, simplement pour tenter, je dirais en tant que philosophe, de confronter l'explication en sens rationnel avec la loi religieuse. On sait que la viande de porc est interdite dans le judaïsme et également dans l'islam. Et il s'agissait de tenter de rendre raison rationnellement de ce type d'interdiction, dont on sait qu'elle a été, par exemple, étayée par des sources, à partir du XIIe siècle, par des sources médicales, dont Maïmonide, qui explique que la viande de porc est une viande problématique pour l'organisme, parce qu'elle est beaucoup trop riche en graisse, etc. Alors, je pourrais multiplier les exemples. Il se trouve que mon travail n'a pas du tout consisté à chercher, ou en tout cas à trouver des explications rationnelles aux interdits alimentaires, mais au contraire à faire basculer les interdits alimentaires du côté de la loi religieuse, avec ce qu'elle comprend au fond de part obscure et d'inexplicable, puisque si on le détaillait, mais c'est un travail que j'ai fait mais qui serait très laborieux, les interdits alimentaires dans le judaïsme, au fond on dispose de critères qui interdisent certains mammifères, avec les sabots fendus, ruminants, etc. Mais on ne dispose pas davantage d'informations. Je sais que souvent, on cherche à formuler une explication. Est-ce qu'un des points quand même centraux de tous ces interdits, c'est pas la question du sacrifice animal? Si, parce que en règle générale, ces interdits ont en commun de viser quasiment exclusivement les animaux. Il y a très peu d'interdits, sauf dans l'hindouisme ou dans le jaïnisme, et encore de façon assez marginale. En règle générale, c'est l'animal qui devient l'objet, on peut dire, à la fois du sacrifice et de l'interdit. Pour des raisons assez différentes, puisque si vous prenez le judaïsme, on interdit par exemple la viande de porc parce qu'elle est impure, et inversement dans l'hindouisme, on interdit la viande bovine pour sa pureté, au contraire. Donc vous voyez, c'est pas Mais est-ce que ça veut dire que de tout temps, le fait de consommer de la viande a toujours travaillé l'humanité comme étant un acte à la fois qui va être cadré, donc autorisé, qui doit être autorisé parce qu'il a quelque chose de problématique? Oui, alors de tout temps, je pourrais pas, j'ai pas malheureusement assez d'outils ou d'instruments pour vous répondre. En revanche, on sait qu'une des modalités qui permet de consommer de la de l'animal. Alors attention, puisqu'on ne consomme pas au fond de l'animal, mais on consomme de la viande, ce qui n'est pas exactement la même chose, puisque la viande suppose un processus de raffinement, de transformation, qui défigure, qui transforme, qui métamorphose l'animal, de telle sorte à ce que, une fois la viande servie, l'animal a, d'une certaine manière, disparu. Hein. Après, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il a d'une certaine manière disparu, mais pas totalement disparu, puisque lorsque vous entrez dans une boucherie, souvent, vous avez des signes, des traces, des souvenirs de l'animal à travers, parfois, simplement le cahier des charges de l'éleveur, quelques images évocatrices d'un bœuf d'Aubrac ou une viande de Salers, etc. Et il me semble que la nécessité de maintenir dans la viande une référence à l'animal fait écho, au fond, à un processus qui est le sacrifice, qui a rendu possible pendant un certain temps, qui a autorisé, en tout cas, qui a légitimé la consommation de viande, puisque le sacrifice, vous le savez, repose sur, en général, un système de partage où une partie de la viande immolée est réservée aux dieux et une autre est précisément devient profane, c'est-à-dire qu'elle est rendue à l'usage et donc à la consommation. Alors voilà, vous me direz, vous pourriez m'objecter que on vit dans des sociétés dans lesquelles le sacrifice, au sens des Grecs ou des Romains, évidemment, a totalement disparu. Il n'empêche que le sacrifice peut avoir disparu, mais la structure sacrificielle peut, elle, se maintenir et expliquer la possibilité, effectivement, de consommer de la viande au nom d'une gestuelle, par exemple, sacrificielle. Très bien. Mais et donc, est-ce qu'il n'y a pas même... pour rester sur cette question-là, terminer simplement, oui. L'idée aussi que le sacrifice, c'est on utilise l'animal en lieu et place d'un homme, et que donc il y a un transfert sur l'animal de la violence qui pourrait s'exercer sur l'homme. Oui, c'est une hypothèse que je défends, alors qui est assez complexe à défendre. C'est l'idée alors que dans l'animal serait visé l'homme. Et il y a des textes d'ailleurs assez beaux de Jacques Lacan, disant, textes qui peuvent faire réagir et qui doivent faire réagir, dans lesquels Lacan dit dans la cruauté à l'égard de l'animal, ce n'est jamais que mon semblable qui est en jeu, qui est visé. Autrement dit, on ne pourrait pas, si on pousse loin l'explication, on ne pourrait jamais être cruel envers un animal, puisque être cruel envers un animal, c'est jamais que prendre l'animal comme un faire-valoir, mais c'est jamais que l'homme qui est au fond visé. Et mon hypothèse, elle a consisté à élargir, à pousser, non pas à refuser l'hypothèse de Lacan, mais au contraire à la pousser dans ses retranchements, et à me demander si dans la cruauté à l'endroit de l'animal, si ce n'était pas l'homme qui était visé, si au fond dans la consommation de viande animale, ce n'était pas l'homme qui était consommé. Plus cannibale. Oui, peut-être pas, mais un cannibalisme évidemment qui aurait un caractère symbolique. Alors venons-en à votre deuxième chantier, le deuxième livre, qui s'intitule d'un titre énigmatique « L'organisation criminelle de la faim ». Alors vous soutenez de manière un peu scandaleuse tout de même, pas loin d'ailleurs de ce que disait le philosophe Martin Heidegger, qu'il y a un lien entre l'organisation industrielle de la production alimentaire, de viande en particulier, qui se met en place à la fin du XVIIIe siècle et qui contraint en particulier dans le système industriel les masses laborieuses à travailler dans des usines regroupées pour échapper à la faim, et donc vous établissez une sorte d'analogie ou de lien entre cette naissance de la production industrielle, pas uniquement alimentaire d'ailleurs, et l'organisation criminelle de la faim qui s'est mise en place 2 siècles plus tard dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Alors pourquoi ce rapprochement qui peut paraître scandaleux, et est-ce qu'il vous semble qu'on peut établir, ce que font d'ailleurs des défenseurs de la cause animale, un lien entre l'industrie agroalimentaire et l'usage de la faim comme un outil politique? Alors d'abord, effectivement, c'est un livre qui a qui a suscité un certain nombre de polémiques. Il se trouve que j'ai juxtaposé, j'ai superposé trois séquences, en réalité. La première séquence... Cumuler les scandales, oui. Exactement. La première séquence, c'est effectivement qu'à partir à la fin du XVIIIe siècle, au moment où la révolution industrielle au Royaume-Uni se met en place, il y a une question qui se pose pour les capitalistes, c'est celle de disposer d'une main-d'œuvre. Souvent, cette main-d'œuvre se trouve dans les milieux ruraux et elle est extrêmement rétive à l'idée d'aller travailler en usine. Et à ce moment-là, on voit des projets au Royaume-Uni d'abolition des lois d'assistance aux pauvres. Et ces projets-là visent d'une certaine manière, il y a un texte que je commente, à pousser au fond une partie de la population vers les usines en les privant au fond d'un système de subsistance ou d'aide ou d'autosubsistance. Hein. C'est l'époque où au Royaume-Uni les commons sont supprimés, c'est-à-dire que le droit qui était alloué à un individu d'aller cultiver pour sa consommation personnelle un certain nombre d'aliments dans un terrain, quand bien même ce terrain n'était pas sa propriété, est supprimé. Et c'est également le moment où on va, au fond, on va supprimer les mesures qui permettent d'aider économiquement les plus nécessiteux. Et ce mécanisme est décrit comme un mécanisme qui provoque effectivement du manque, de la faim, et qui poussera les individus vers les usines. Il y a des textes de Bentham sur ces questions, etc. Donc voilà. Après, j'ai essayé la seconde séquence, c'est effectivement les camps de concentration où je suis parti d'une... sans évidemment nullement être historien, je suis parti d'une question. Je faisais un travail vraiment... là, je décris de façon très factuelle ce que je fais. Je faisais un travail à partir d'un certain nombre de lectures sur la question de la faim, sous sa forme la plus radicale, telle qu'elle avait été vécue par des déportés dans les camps de concentration. Donc je fais ce travail de recensement et je me pose à un moment donné la question de savoir... comment les nazis simplement concevaient la question alimentaire. Est-ce que c'était au fond organisé de façon assez lâche, arbitraire, sans plan préconçu? Et à ce moment-là, en creusant, je trouve un certain nombre de travaux d'historiens, notamment polonais, sur le camp d'Auschwitz, qui montre comment la question de l'alimentation a fait l'objet d'une réflexion et d'une administration extrêmement pointue et scrupuleuse, à tel point que on découvre que à Auschwitz, il y a des projets de fermes, d'autonomie, de recyclage et des choses de cet ordre. Et on découvre également qu'il y a des calculs qui sont faits par certains officiers nazis médecins, si on peut les appeler ainsi, visant à calculer l'espérance de vie de prisonniers dont on exige beaucoup en termes de travail, tout en diminuant drastiquement la ration alimentaire. Donc il y a toute une politique qui se met en place à partir d'un contrôle de la question alimentaire, évidemment, qui ressort cette fois sous une forme absolument tragique et fatale. Et enfin, la dernière séquence, qui évidemment est la plus... et peut être sujette à polémique, c'est celle qui prolonge au fond les deux premières séquences, à savoir la question simplement d'une mise sous tutelle du vivant, cette fois à travers les biotechnologies notamment, ou ce qu'on appelle l'appropriation des terres, à savoir quand un certain nombre d'entreprises ont, après 2008, après les crises les crises alimentaires se sont mises à investir dans le rachat de terres dans des pays notamment africains, mais pas seulement, parce qu'elles estimaient que, de même que l'or a pu constituer une valeur de référence dans la parité, jusqu'à que la parité avec le dollar soit remise en cause, eh ben on considère que la terre, renvoyant à la nécessité de se nourrir, elle constitue au fond une valeur qui ne peut pas se dévaluer dans la mesure où effectivement les hommes ont comme besoin élémentaire de manger, donc l'investisseur effectivement peut être à peu près sûr de retomber sur ses pieds. Et donc en mettant ensemble les trois briques du Lego, vous en venez à l'idée que on se représente généralement la question alimentaire, on se dit on a la révolution industrielle a permis en quelque sorte de répondre à la demande et aujourd'hui on va s'occuper de la qualité et plus de la quantité. Vous dites non, il y a encore cette idée que la faim peut être un enjeu politique, une finalité politique. Bien sûr. Et on sait que un certain nombre de mouvements à l'échelle mondiale qui contestent souvent l'exclusivité de firmes, de multinationales liées à l'agroalimentaire, tentent précisément de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de reprendre le contrôle de terres, de processus de production, de processus de consommation, d'éviter au fond cette partition qui peut être très problématique entre des groupes qui produisent des aliments et une population mondiale qui la consomme, mais avec la part de dépendance qui en découle, qui ne va pas évidemment nécessairement faire l'objet d'une répression, mais qui pourrait le devenir dans certaines circonstances politiques. Alors venons-en maintenant à peut-être quelque chose, un enjeu un peu plus réjouissant, si je puis dire, qui est la question du goût. Comment penser le goût? Que donne-t-il à penser? Ce qui est l'objet de ce livre passionnant, Philosophie du goût, où vous montrez que dans la philosophie, ce qui est intéressant, c'est, si j'ai bien compris, votre thèse n'est pas de dire que la philosophie a ignoré le goût, elle s'en est plutôt saisie, mais de manière détournée, dites-vous, la philosophie occidentale en tout cas. Et ce détournement tiendrait à un point essentiel, qui est le fait que la bouche humaine est à la fois ce par quoi nous parlons, donc le lieu d'expression de notre intelligence et de notre accès au savoir, et l'espace, l'organe avec lequel nous ingérons, nous pouvons manger. Et que donc pour Aristote, l'homme en tant qu'homme utilise sa lèvre et sa langue pour pouvoir parler, là où les animaux utilisent les mêmes organes, mais en sont réduits à la part, je dirais, justement de l'alimentation. De sorte que l'alimentation est comme rabattue sur la matérialité de la part animale chez nous, tandis que ce qui est noble, ce qui serait noble dans notre bouche, c'est qu'elle peut parler et échanger, et échapper justement par là même à la part animale. Alors, en quoi est-ce que ce point, cette polarité de notre bouche a décidé en partie du statut du goût, du statut un peu détourné du goût dans la pensée occidentale? Oui, c'est vrai, là vous avez presque tout résumé, en tout cas l'amorce de l'ouvrage. C'est vrai que vous êtes référé à Aristote. Aristote pose dans De l'âme que le goût... Alors vous voyez, en plus c'est toujours très compliqué. Bon, là on sait qu'on parle du goût au sens propre, au sens alimentaire, mais quand on l'écrit, moi je suis le premier à devoir toujours dire le goût au sens propre, premier, alimentaire, gustatif, etc., puisqu'autrement on a le sentiment qu'on parle du goût au sens beaucoup plus large, esthétique et métaphorique. Mais c'est vrai qu'Aristote dit le goût, c'est le définit comme le sens de la nutrition. Voilà. Bon, ce qui est en soi pas choquant, mais le sens de la nutrition, ça signifie que goûter n'est pas le propre de l'homme, et tous les animaux goûtent. Et si ça renvoie à la nutrition, la nutrition, c'est pas non plus le propre de l'homme, puisque les plantes aussi, des êtres autotrophes, ont un système de nutrition. Et en ce sens-là, il y a une sorte d'indistinction entre nous et les autres vivants du point de vue de la nutrition. C'est-à-dire qu'on est au fond On ne peut pas... Il n'y a pas de différence, on dirait, avec ce terme un peu ambitieux, zoanthropologique entre nous et les animaux du point de vue de la nutrition, ce qui a évidemment eu pour conséquence de rabattre très rapidement et de façon presque définitive le sens du goût du côté d'une forme d'animalité. Hein, avec une obligation qui était, au fond, de trouver les moyens d'élever l'homme au rang d'homme, non pas à partir du goût qui le rabaissait au contraire, mais à partir de cet organe avec ce qu'il avait d'ambiguïté, qui est la langue, mais en sachant que la langue renvoie à la parole à la pensée, mais on sait très bien que la langue ou la bouche vont avoir dans la philosophie occidentale, non pas le rôle qui serait celui de créer de l'intelligence, mais simplement d'être la main outillée ou l'instrument de l'intelligence, donc d'avoir une fonction d'exécution. Ce qui permettra d'ailleurs de combiner la possibilité de parler avec sa bouche et de manger avec sa bouche. Et vous ajoutez, vous dites qu'il y a eu cette polarité liée à la bouche, plus le fait que pour Aristote comme pour Platon, très très tôt, la vue est consacrée comme étant le sens proéminent, le sens du contact à distance avec les choses, là où le goût et l'odorat en particulier nous mettent en proximité trop grande presque avec ce que nous absorbons et du coup ne sont pas valorisés philosophiquement. Bien sûr, là c'est effectivement une chose essentielle, puisque le sens de la vue, comme l'ouïe pour d'autres raisons, mais des raisons assez proches de la vue, est le sens noble, puisque c'est le sens qui permet d'avoir, alors il y a plein d'explications, mais d'avoir une représentation des choses dans l'espace, de les tenir à distance, et ça c'est extrêmement important. Vous voyez, dans le rapport qui est le nôtre, effectivement, on se voit, hein, vous voyez les uns les autres, on se voit, mais la vue, d'une certaine manière, n'affecte à aucun moment votre intégrité. Voilà, vous voir, hein, ça, vous pouvez trouver le regard... lourd, agressif, intrusif, etc. Mais c'est une façon métaphorique. Tandis que avec le goût comme sens de la nutrition suppose non pas cette distance, mais au contraire d'abolir cette distance. Et l'abolition de cette distance, elle se fait par la consommation. Hein, ce qui fait que, en réalité, la condamnation du goût entraîne dans ce sillage celle de la consommation. Et avec ce que la consommation pose de problématique, c'est que consommer veut dire non pas respecter l'intégrité de l'objet qui est en face de nous, mais le détruire. Autrement dit, la consommation, c'est une forme de destruction qui peut, lorsqu'elle est exagérée, être dans la dilapidation, etc. Donc vous voyez, c'est au fond, si on prend ce schéma-là, tout se passe comme si le goût ne laissait à l'homme aucune chance de conserver des traces de son action. C'est-à-dire que tout ce processus est pris, d'ailleurs, va être notamment dénoncé par Hannah Arendt, qui voit au fond un cycle vital absolument infernal qui conduit à produire des ressources, à les consommer, à les détruire de façon indéfinie, par opposition, vous imaginez bien, à des objets qui, eux, vont être par exemple des objets du jazz, comme ce verre ou cette table, ou a fortiori une œuvre d'art, qui résiste d'une certaine manière au caractère destructeur de la consommation alimentaire. Et pourtant, j'ai envie de dire qu'on a l'intuition, et j'imagine que je ne doute pas qu'Aristote l'avait aussi, que il y a une différence entre le goût que nous pouvons avoir des bons aliments préparés et cuisinés, de, je dirais, la dévoration animale d'aliments indistincts de manière non raffinée. Et que donc, sans doute que, tout de même, Aristote ne ravalait pas toute l'alimentation au statut d'un besoin purement fonctionnel et biologique. Non, effectivement, il conçoit, mais c'est un exercice qu'on peut tous faire, là, il conçoit l'idée qu'il y a une bonne alimentation, qui n'est jamais quand même qu'une alimentation nécessaire, puisqu'on ne peut pas ne pas manger. Donc il faut bien manger, c'est-à-dire respecter un certain nombre de règles en termes de quantité, essentiellement. Hein. Bien manger, c'est d'abord manger à hauteur de ses besoins. Et à ce moment-là, si on transgresse la limite des besoins, infiniment compliquée à définir, à fixer, à ce moment-là, on s'expose à une sanction morale. Mais ça pose un problème, je dirais, encore plus aigu, c'est que quand bien même l'on déciderait de ne manger non pas par faim ou par manque, au sens animal, mais uniquement par agrément ou de manière, on va dire, gastronomique. Vous voyez bien que même sous ce régime, vous êtes quand même dans l'obligation de reprendre le cycle tel qu'on l'a décrit, c'est-à-dire de goûter, d'ingérer, de consommer, donc de détruire. Vous ne pouvez pas purement goûter. Autrement dit, le goût au sens le plus noble oblige d'une certaine manière à manger. Alors, sauf dans certaines procédures auxquelles vous pensez, je pense que c'est la dégustation. Voilà. Je ne le fais jamais, moi. Mais... Voilà. Et dans la dégustation, il y a ce geste pas très appétissant, d'ailleurs, qui consiste effectivement à recracher l'aliment. Mais ce qui pose, d'ailleurs, un certain nombre de questions, ne serait-ce que dans la manière dont l'activité de dégustation est conduite, puisqu'on peut supposer qu'une part du plaisir alimentaire est liée à l'acte d'ingérer et d'incorporer, et pas simplement au fait de mettre l'aliment en bouche, déglutir, ingérer, digérer, etc., voire, évidemment, chier, si vous me passez l'expression, sont aussi la part aveugle d'une gastronomie qui ne s'intéresserait qu'au côté très éthéré, purifié, spirituel de l'alimentation. Alors c'est tout le sens de votre démarche. Vous essayez en un sens de déceler ce dualisme qui s'est installé très très tôt dans l'histoire de la philosophie. On reviendra après. Il y a des auteurs comme Nietzsche ou Bergson qui vous aident parce qu'ils ont ouvert justement des chemins. Mais qu'est-ce que vous essayez? Comment est-ce que vous avez essayé de déceler ce dualisme entre la part noble et la part de besoin pour essayer de penser le goût et les saveurs pour eux-mêmes et non pas seulement comme une métaphore du jugement esthétique ou de la pensée? Oui, alors ça, c'est assez compliqué. C'est quand même ce qu'a tenté de mettre en place Nietzsche. Ça vient assez tardivement, puisqu'autrement, effectivement, on va simplement, je ne sais pas, comme chez Voltaire, s'appuyer sur l'idée que le goût, c'est une forme, le goût au sens gustatif, reste un modèle, mais un modèle qui n'est accepté et acceptable que s'il est dépassé en marge du champ de l'alimentation. Pourquoi c'est un modèle? Parce que, par exemple, il y a une des qualités du goût au sens gustatif, selon la position qu'on adopte, c'est qu'une fois, aussitôt l'aliment mis en bouche, normalement, il provoque une réaction, qui est une réaction, on va dire, si on schématise, agréable ou au contraire désagréable. Voire, au-delà du désagréable, une réaction propre au goût et à la nutrition, à savoir une réaction de dégoût telle que l'individu vomit, littéralement, rejette, expulse ce qu'il venait à peine d'ingérer à l'instant précédent. Donc, et ça, c'est un élément assez déterminant, parce qu'en réalité, dans les autres sens, on n'a pas d'expérience similaire ou aussi marquée du dégoût. Il est rare de ressentir, d'éprouver un dégoût d'origine auditive. Voilà, on ne sait pas très bien. On se bouge les oreilles. On se bouche les oreilles. Hein, il y a des pages du philosophe Emmanuel Kant dans la critique de la faculté du G où il s'en prend d'ailleurs à la musique, où il dit que la musique est barbare parce que la musique a en commun avec les odeurs de s'infiltrer, de s'insinuer dans notre corps au détriment, ou en tout cas aux dépens et sans notre accord. en marge de notre volonté. Dans l'expérience, la force de l'expérience du goût, quand on va commencer à la prendre au sérieux, c'est que, à la différence de la vue, effectivement, je ne peux jamais être indifférent. Je ne peux jamais être indifférent. Autrement dit, elle suppose d'en passer immédiatement par le détour ou le prisme des sentiments ou des affections. C'est-à-dire que, évidemment, quand je goûte, je dis rarement ce que je sens objectivement, parce qu'il faut bien dire que souvent le lexique pose un certain nombre de problèmes, mais en revanche, j'exprime ce que je ressens. Quand je dis c'est bon, je ne qualifie pas la saveur, mais je qualifie le sentiment que j'éprouve dans l'acte d'ingérer. Autrement dit, là, et c'est ce qui intéressera Nietzsche, c'est qu'à partir de là, vous voyez bien que vous pouvez construire une pensée qui reposerait non plus sur simplement un acte un peu froid, placide, qui consiste à déterminer comment sont les choses objectivement, à les mesurer, mais au contraire à penser à partir des ressentis, des vécus, des affects, d'une certaine manière. Ce qui vous intéresse dans le goût, vous dites, il est subjectif, et c'est une part de subjectivité dont on ne peut pas se débarrasser alors que dans les autres objets philosophiques, il faut mettre la subjectivité de côté pour le penser. Ici, c'est impossible. Il y a un irréductible. Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs ce qui conduira, au fond, cette subjectivité, c'est ce qui conduira Kant, dans la critique de la faculté du jugé, à se tourner vers le goût. Sauf qu'il fera cette opération très, très typique de la philosophie, c'est que dès les premières pages, il va exclure, sans appel, la question du goût alimentaire, parce que, dit-il, elle renvoie du côté de l'agréable ou du désagréable. Hein, il prend quelques exemples, vous vous souvenez du vin ou d'autres aliments, en disant, quand je goûte un verre de vin, je le trouve aussitôt bon ou mauvais, mais à ce moment-là, je ne peux pas me démarquer, me départir d'un rapport matériel avec l'objet. C'est-à-dire que je ne suis pas dans ce que la vue m'autorise, à savoir un rapport vidé de tout intérêt alimentaire. Mais est-ce que une réévaluation des saveurs et du goût ne passe pas aussi par le fait que le goût se cultive et a justement besoin de cette part culturelle ou intellectuelle ou de l'intelligence pour être apprécié, et que loin du dualisme aristotélicien, une pensée de la saveur, c'est une pensée qui parvient à nommer ce que j'éprouve pour mieux l'éprouver? Et que donc on ne peut pas dire besoin versus intelligence, raison, mais au contraire, saveur, parce que mot pour la saisir, la désigner et l'apprécier. Oui, alors après, ça pose à peu près le même type de problème que pour un autre sens qu'on appelle également subjectif, c'est l'odorat. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans le même genre. Après, la question est de savoir... Une question qui pourrait se poser, c'est de savoir si effectivement ce déficit langagier est dû à la désaffection dont ce sens a été jusqu'à présent l'objet, ou bien si ce déficit langagier résulte au fond de la nature du sens du goût qui rend les choses incommunicables. Voilà, vous voyez pas. C'est assez intéressant. Il y a un auteur qui n'est pas un philosophe, mais qui souvent met en lumière des questions qui intéressent la philosophie, et pas seulement, c'est André Leroi-Gourhan. André Leroi-Gourhan, c'est un ethnologue qui, dans le geste et la parole, consacre des pages vraiment assez remarquables à la gastronomie. Et alors qu'on le connaît plus comme un paléo-anthropologue. Voilà, absolument. Absolument. Mais il y a des pages assez remarquables sur la gastronomie et le sens du goût. Et lui explique, au moment même où il cherche à réhabiliter ce sens du goût dont il dit, il répète qu'il a été tenu à l'écart par rapport aux autres sens, à la vue qui a donné les arts plastiques ou à l'ouïe qui a donné la musique, etc. Dans ce geste de réhabilitation, il dit au fond, la difficulté du goût, c'est qu'on ne peut y accéder que par l'intermédiaire, souvent, des représentations des autres sens. À savoir, souvent, en réalité, l'expérience du goût, c'est d'abord, même en bouche, une expérience tactile. Et Aristote dit le sens, il dit la langue, que c'est un sens évidemment du toucher. Toucher lingual, c'est l'expression qui est employée. Donc vous voyez bien, quand vous goûtez, vous sentez la texture, la température, la consistance solide, gazeux, liquide, etc. C'est des expériences qui sont liées au toucher. Leroi-Gourhan se réfère également aux expériences liées à l'odorat, l'odeur des fumées, des poissons ou d'autres aliments, etc. Et puis évidemment le caractère, le rôle que prend la science de la vue dans l'appréciation de plats ou de préparations cuisinées. Et au fond, c'est comme si ces autres sens allaient compenser l'incapacité, dit Leroi-Gourhan, du sens du goût à déployer sa propre grammaire. Voilà. Et vous voyez, cette incapacité, elle conduira d'ailleurs de façon absolument passionnante Leroi-Gourhan à tenter d'imaginer ce que serait le monde, la culture ou les cultures, si au lieu d'avoir élaboré ce monde et ces cultures sur les bases des sens de la vue et de l'ouïe, hein, là, et je pense que notre moment, le moment que nous passons ensemble, et évidemment, l'illustration de cette hégémonie de la vue et de l'ouïe, puisque c'est les deux seuls sens que nous mobilisons en ce moment. Et Leroi-Gourhan se dit, que se serait-il passé si on avait construit de la culture, de la pensée? Est-ce que culture serait culture et pensée, si on l'avait fait à partir, par exemple, du sens de l'odorat ou du sens du goût? Mais est-ce que vous voulez dire par là que l'odorat est aveugle à lui-même? La métaphore est un peu, justement, choisie à dessein. C'est-à-dire, il ne peut pas se rendre visible. Enfin, il est obscur pour lui-même, disons. Alors, moi, je me suis. On peut peut-être le représenter de la manière suivante. Ce qui semble, mais ce qui doit rester sujet à discussion. Ce qui fait la puissance de la vue, si on reprend par exemple les travaux de Kant au XVIIIe siècle ou juste après de Hegel, c'est que la perception sensible qu'on a de cet objet peut quasiment immédiatement donner lieu à une image. Autrement dit, à un travail de l'imagination. Dans l'imagination, je peux reproduire cette tasse une fois que je détourne mon regard. Autrement dit, j'ai une sorte de continuité entre l'image que j'ai en mémoire et puis ma perception, là, ici et maintenant, de la chose. Et à ce moment-là, je peux très bien imaginer, si j'ai la fibre d'un artiste peintre, représenter ce verre à travers un tableau qui serait, au fond, l'extériorisation de l'image que j'ai de ce bol. Et ben, je ne suis pas certain qu'on puisse réaliser la même opération avec le sens du goût. Autrement dit, si vous avez une perception sensible d'un plat ou d'un aliment, comme une fraise, puisque ce n'est pas de saison, vous voyez, vous percevez la saveur de la fraise. Évidemment, vous prenez possession de la saveur de la fraise en goûtant la fraise, dans l'expérience de la fraise. Mais Leroi-Gourhan ajoute aussitôt, je ne peux pas obtenir une image gustative de la fraise. C'est-à-dire que j'ai une image. Évidemment, on imagine tous, là, on voit... on voit dans notre esprit, en imagination, ce qu'est une fraise. Mais en revanche, j'ai une image visuelle de la fraise, mais je n'ai pas d'image gustative. J'ajouterais une petite nuance, peut-être. J'étais à une discussion avec Hervé Tis, qui est un chimiste de la gastronomie, et il faisait une expérience en disant, si nous fermons tous les yeux ici et que nous pensons à un citron, nous allons avoir l'acidité qui va se développer dans notre bouche. Donc tout de même, il y a possibilité par l'imagination de susciter le goût. C'est ça, c'est pour ça que mais ça vaut pour des saveurs très fortes, comme le citron. La fraise, déjà, c'est peut-être plus délicat. Après, il y a un autre biais. Vous voyez, c'est l'opération, ne serait-ce que de description de la saveur. Si on demande, ce que j'ai déjà demandé à certains de mes étudiants, si on pose cette question très importante, de décrire une saveur. Si on s'en tient au registre établi des saveurs, évidemment, le schéma est assez pauvre, quoi. Voilà, vous allez dire sucré, un peu acidulé, etc. Alors, ça opère, on va dire, plus ou moins avec la fraise, mais dès qu'on passe à la framboise, ou dès qu'on commence à établir des comparaisons, on se rend compte évidemment qu'on reste à l'intérieur d'un lexique qui est au fond ne permet pas de distinguer les saveurs, ne permet pas de distinguer les expériences sensibles qu'on a de différentes saveurs à travers différents éléments. Mais ça renvoie toujours à une question qu'on a posée, c'est à savoir est-ce que ce phénomène n'est pas simplement une conséquence de la désaffection dont le sens du goût a été au fond l'objet depuis un certain temps, en tout cas depuis trop longtemps. Voilà. Et que vous cherchez à lever. Alors, dernière petite question philosophique, après on reviendra aux questions. En quoi est-ce que Bergson a justement participé d'une tentative d'ouvrir sur le goût une possibilité d'exploration un peu plus fine que celle des prédécesseurs et qui pourrait nous aider dans cette démarche qui est la vôtre? Moi, je pense notamment à un texte, c'est dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Effectivement, Bergson mobilise le sens du goût, mais pas seulement, puisqu'il est aussi question de l'odorat. Alors, avec une possibilité qui se referme, puisque le risque, aussi à peine a-t-on nommé une saveur, au fond, qu'on sait que cette saveur a fait l'objet d'une sensation qui elle-même, en entrant dans la mémoire, se transforme aussitôt. C'est-à-dire que le processus, au fond, le flux des sensations est d'une certaine manière beaucoup plus agile et évolutif que ne l'est le langage qui, lui, a tendance, effectivement, à fossiliser les choses. Donc, la question, elle est de savoir, au fond, comment on peut imaginer... Alors, dans l'hypothèse de Bergson, on est plutôt dans la conception d'un système des saveurs qui ferait, au fond, l'assaise de ce que le langage peut avoir de pétrifiant, au fond, dans le rapport qu'on a aux saveurs, quoi. Et sans oublier aussi, vous avez parlé de Kant, mais il disait quand même, que le goût n'était rien s'il n'était pas commun. Et c'est vrai, et lui-même disait, il convoquait toujours, il ne mangeait jamais tout seul, parce qu'il disait, manger, ça doit se faire en commun. Et donc peut-être que les saveurs aussi dépendent de avec qui nous les consommons. Mais après, je me suis demandé dans cet ouvrage si, en fin de compte, le commun... C'est-à-dire que Kant, effectivement, c'est des pages presque assez drôles. Hein. Convoqué tous les jours. Voilà, il avait besoin d'un quelqu'un à sa table, d'un ami, d'un philosophe, etc. Mais il explique la chose de la façon suivante, c'est que il semble être presque effrayé à l'idée de devoir se retrouver en vis-à-vis, d'une certaine manière, avec son repas. De s'autoriser à se laisser absorber, ou en tout cas se concentrer, à avoir son attention, se focaliser sur l'aliment, ce qui serait évidemment, ce qui, dit-il, serait une perte de contrôle de son travail de méditation. Et donc il convoquait tous les jours des gens. Mais on peut se demander s'il ne convoque pas des gens pour se distraire de son repas. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci en tout cas, c'était très intéressant. Ben, maintenant, place à vos questions, à vos remarques, à vos objections. Je crois qu'il y a, oui, on a un micro qui est à disposition. Donc, levez la main et on vous l'apportera. Oui. Bonjour. Moi, j'ai l'impression, dans ce que vous disiez, qu'on n'était pas capable de matérialiser par de la parole certains mets, certaines substances, etc. J'ai surtout l'impression que quand on mange quelque chose, ça se transforme en un autre langage, un langage physiologique qu'on a du mal à exprimer par la parole. Mais justement, est-ce que ce n'est pas parce que la parole est limitée et que finalement, notre corps n'est pas que parole ? Il est aussi tout un tas d'autres systèmes. Par exemple, si vous voyez une photo hein, d'un plat que vous aimez particulièrement, vous allez vous mettre à saliver. Et ça, c'est une autre forme de langage, mais pas par la parole. Je vous rejoins, puisque la dernière référence qu'on vient de faire à Bergson va dans ce sens-là, au fond. C'est que si je m'en tiens à ce que me dit le langage de mes sensations, à ce moment-là, j'ai un type d'information assez stéréotypé, assez pauvre. Vous voyez, c'est un peu comme dire à quelqu'un qu'on l'aime. Le mot aimer, c'est le mot, évidemment, c'est un mot qui nous précédait, j'ai envie de dire, qui va nous survivre, qui est employé dans différents contextes, etc. En tout cas, qui ne laisse pas, qui recouvre effectivement ces sensations sans être capable de les traduire. Alors, après, la difficulté, elle est pas, il me semble qu'elle n'est pas tant dans le vécu, que dans la question des moyens dont on disposerait pour transmettre ce vécu, c'est-à-dire pour le communiquer à des tiers. Au fond, je ne sais pas, c'est ça qui peut-être fait que je peux, à partir, il me semble, à partir de la question du goût, faire communauté avec les autres. C'est-à-dire que je ne sais pas, à table avec les autres, je ne sais jamais si ce que je sens est ce qu'eux sentent. Je le suppose. Quand c'est raté, quand même. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a un certain nombre d'indices qui nous rassemblent. Mais j'ai pas, de même que je ne sais pas, et encore moins, si non seulement ce que je sens est ce que lui sent, entre guillemets, objectivement, si tant est qu'on puisse sentir objectivement, et si en plus il éprouve les émotions, en tout cas des affections qui sont comparables ou identiques aux miennes. Mais c'est ça, en même temps, j'ai envie de dire, c'est dans cette absence de convergence que se crée peut-être, au fond, la possibilité d'un être en commun. Plus que dans voilà, si effectivement on est, si on dispose d'éléments parfaitement commun, etc., la question du goût cesse d'être débattue. Elle est absolument posée de manière catégorique. Très bien. Une autre remarque, oui, madame. On va vous apporter un micro. Juste bonsoir. Là, ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas le propre de tous les sens? Parce que quand vous écoutez, je sais pas, un morceau de musique classique ou autre, et que vous ressentez des émotions, ou que vous l'écoutez d'une telle façon, vous ressentez des choses, comment être sûr que quelqu'un à côté de vous ressente les mêmes choses ou entende les mêmes choses? Et la musique est indicible, enfin, voilà. Bien sûr. C'est vrai. Les odeurs, ouais. C'est pareil. Enfin, il me semble que c'est peut-être tous les sens qui sont indicibles. Alors, et ce sont des expériences très personnelles, finalement. C'est vrai, mais il me semble que si on on prend la musique ou a fortiori la peinture, il y a la possibilité d'extérioriser le sentiment. Vous voyez, tout à l'heure, je prenais... autrement dit, vous pouvez avoir une perception sensible du jardin de Monet à Giverny. Voilà. Vous pouvez en avoir ensuite l'image mentale, si on peut dire, le souvenir. Et puis, vous pouvez faire de cette image un tableau comme l'a fait Monet. La difficulté, c'est que je ne peux pas faire et c'est ça qui interpelle Leroi-Gourhan. Leroi-Gourhan dit, je ne peux pas faire de tableau. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il n'arrive pas lui-même à quitter le registre visuel. Il dit, je ne peux pas faire de tableau du goût. Mais on pourrait lui objecter, pourquoi essayer de faire un tableau du goût? Oui, et d'ailleurs, c'est dans l'allusion que je vous ai faite tout à l'heure, il essayait d'imaginer, il dit à quoi serait un monde composé de tableaux de saveurs, ou d'odeurs. Mais une fois, dans la manière dont il formule le problème, au fond, il s'interdit d'explorer ce qui serait le propre de ces saveurs ou de ces odeurs. Puisqu'il reste d'une certaine manière dépendant du registre visuel. Et alors même que ce qui est le paradoxe, c'est que le goût sert pour tous les autres. Est-ce qu'il a le goût de la musique? Est-ce qu'il a le goût de la littérature? Est-ce que... Et donc ce sens qui est le plus irréductible ou indéchiffrable est en même temps celui qui semble parler pour tous les autres. Absolument, oui. Parce que ce qui fait la force du goût, alors je disais, c'est ce que dit, il y a une petite phrase que je me permets de rapporter de Rousseau dans l'Émile, il dit « Rien n'est indifférent au goût ». Et c'est intéressant parce que à partir de là, Rousseau, à la différence d'autres philosophes, a au moins le mérite de faire de ce sens... un sens noble et supérieur, précisément parce qu'il permet d'échapper à l'indifférence. Alors qu'il dit, la vue, au fond, voilà, on voit des choses, on reste placide, indifférent, etc. Donc il imagine, au contraire, à partir du goût, la possibilité d'en faire d'avoir une lecture, en tout cas, du monde, non pas tel qu'on décrirait les objets où on les parlerait. Vous voyez, comme on dit, voilà, vous voyez, les gens qui disent ce vin, une minéralité incroyable, etc. Voilà, les mots restent assez convenus. Mais Rousseau dit on doit pouvoir atteindre une expérience, au fond, qui dépassera les conventions du langage et qui dépassera également ce qu'il peut y avoir de froid ou d'indéterminé dans l'exercice simplement de la raison. Des remarques, Ouais, j'ai l'impression que c'était passionnant, mais il y a une question à laquelle on n'a pas répondu, c'est celle qui est derrière nous. Qui décide de ce que l'on mange? Et donc, c'était un titre peut-être un peu trop générique, mais en vous écoutant, je me demandais dans le fond, est-ce que c'est les religions avec leurs interdits? Est-ce que c'est les pouvoirs ou les forces industrielles? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon corps? Est-ce que dans mon corps, c'est mes besoins? Qui décide? Il y a peut-être plusieurs décideurs. Selon qu'on est enfant, on a un tuteur, un parent qui, lui, va décider en estimant, normalement, que ce qui va être donné à manger est évidemment bon pour l'enfant. En tout cas, il me semble qu'il y a dans la question une dimension... qui renvoie aux soins et qui renvoie, de ce point de vue-là, peut-être la cuisine à la médecine et à une dimension sans doute qui a été, en dépit de tout l'intérêt que notre époque actuelle manifeste pour la cuisine, largement occultée. Je m'explique. En réalité, l'apparition de ce qu'on appelle la gastronomie, si on regarde ça d'un point de vue historique, tend à se stabiliser à partir du moment où on écarte, au fond, la dimension médicale et diététique de la cuisine. Dans la gastronomie, ce qui est essentiellement visé, ça va être, on va dire, l'optimisation de la jouissance du mangeur. Oui. Dans les systèmes, notamment dans le système hippocratique, du régime, il y a une double compréhension, j'ai envie de dire, du goût. Le goût, c'est à la fois ce qui est bon au sens où, ben voilà, quand vous dites ce chocolat est délicieux, bon, etc., ce qui génère évidemment du plaisir, ça c'est une chose, mais Hippocrate dit trouver une chose bonne, c'est également, faire que ce plaisir soit le signe d'un aliment qui profite à l'organisme, autrement dit bon pour la santé. Or, en réalité, on se rend compte qu'on tend plutôt à superposer ou à juxtaposer ces deux dimensions et rarement à tenter de les penser ensemble. Oui, par exemple, la modération, c'est typiquement ça. C'est que dans la modération, à ce moment-là, vous dites « j'autorise un aliment dont je sais que dans une certaine mesure, si je la dépasse, il est plutôt... peu bénéficiaire pour le corps, mais à ce moment-là, comme j'en limite la consommation, il est autorisé. Dans la conception classique du régime, on considère que non seulement le goût suppose que ce qui est bon au goût est bon pour la santé, mais en plus, on oblige, j'ai envie de dire, l'individu non pas à obéir à un tiers pour savoir ce qui est bon pour lui, mais à se livrer à l'exercice qui consiste à goûter, c'est-à-dire à auto-évaluer ce qui est bon ou pas bon pour lui. Or, dans le qui, effectivement, on délègue ce geste, et ben, évidemment, aux parents, pour des raisons qui se justifient jusqu'à un certain âge, mais on peut imaginer qu'effectivement, l'idée même du nutritionniste comme étant celui qui édicte un certain nombre de règles que le patient va appliquer est un exemple, au fond, de dépossession. Hein, et peut-être la question qui se pose, c'est celle du régime comme capacité non pas à obéir à un certain nombre de règles, mais à définir les règles auxquelles ensuite on obéira. Merci pour cette très belle conclusion qui m'a donné faim. Merci de votre attention et bonne soirée.